problema aquí es compensar el tiempo con estos trabajos. Como duele. Bueno, el día que lo veo. Halo. Mira, ahora te veo. Todo lo que dije. ¿Qué es lo que es esto? ¿Verdad? Bueno, halo. Ya la facción de la facción. ¿Cómo se dice? Si te deja mi nombre. Ahora se va a buscar. Mire, aquí un rojo. Y el truco marrón. Aquí el chance. Aquí la mano. Alors il y a le papier en fond, tout le monde connaît, mais il s'est déchiré total. Je suis plus déchiré là en fait. Voilà, je suis déchiré. Alors, le premier, j'ai le pinceau pour les fards à paupières, comme ceci. Attendez. Voilà, il est comme ça. Alors, il est très doux au niveau des yeux. Moi, j'aime bien. Voilà. Excusez-moi. Après, il y a le... Ah non, attendez, je vais le... Ah oui, là, alors là, il y a des ombres à paupières. C'est le Punk Funk. Voilà. Alors, il est très très beau. J'ai bien aimé, je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Alors voilà. Voilà, et bon, il est vraiment petit, donc voilà, j'ai comme ceci. Voilà, vraiment petit comparé à la main. Puis après, alors attendez, on ouvre et il y a deux petits machins pour les... Allez. Alors, mais je vais pas l'utiliser tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit miroir en fait. Voilà, vous voyez un peu chez moi. Là, je suis dans le salon. Okay. Voilà pour l'ombre à paupières. Ensuite, j'ai pris un pinceau pour étaler le fond de teint, enfin le blanche pardon. Voilà, c'est celui-ci de la gamme à 1€. Ah oui, pardon. Alors lui, il était à 1€. En fait, j'ai pris que des trucs à la gamme à 1€ parce que mes parents sont pas d'argent et les blanches. Donc voilà. Bon, celui-là, ces trois-là, ils faisaient partie de la gamme à 1€. Et il est très doux. Alors, moi, perso, il faut bien qu'il a pris. Et j'ai une coupe poudre que je l'ai mis. Parce que c'est bien arrondi. C'est pas piquant. Ça fait pas mal quand on fait ça. Il est très très doux. Donc voilà. Donc voilà, de la gamme à 1€. Ensuite, il y a un vernis, un rouge à lèvres qui est couleur, alors attendez, Flirtatious. La couleur Flirtatious, elle est très magnifique. Elle est comme ceci, alors attendez, je sais pas. Elle est comme ça. Voilà, je trouve ça beau, très magnifique. Voilà. Toujours de la gamme à 1€ de chez ELF. Ensuite, il y a le... Ah non, attends, on a... Là, j'ai un blush qui est de couleur chier. Chier, je sais pas quoi, là. Toujours de la gamme à 1€, donc. Alors, pour vous dire que les teintes de ELF ne s'ouvrent pas comme ceci, mais... Je trouve le truc, voilà. Il s'ouvre pas
comme ça, il s'ouvre comme ça. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai jamais essayé. Voilà, il est comme ceci. Bravo pour. Ça va faire bon, je pense. Donc voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris toujours un mascara de la gamme à 1€. Toujours de chez Elf, un produit de la gamme à 1€. Enfin, je crois. Non, oui, c'est la gamme à 1€. En fait, il y a deux côtés. Alors, il y a un côté pour les cils normales. Alors, attendez. Voilà. Et un côté pour le volume. Voilà. Il y a deux côtés. C'est toujours de la gamme à 1€. Et ça va jouer là-bas. Allez! Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. C'est mon petit chapeau. Il s'appelle Gribou. Il est très mignon. Voilà, il est comme ça. Il est tout mignon. Bon, on n'est pas là pour le faire. Voilà, je vais faire du parfum. Ce n'est pas très agréable. Donc voilà, le mascara dans la gamme à 1€. J'ai le un vernis. Alors, il est comme ceci. C'est le Passion Pink. Voilà, le Passion Pink de chez Elle, toujours. C'est de la gamme à 1€. Voilà, il est comme ceci. Il est vraiment levé. C'est de la gamme à 1€. Mais je sais même plus. Mais ça peut être le même que le mien. Ce n'est pas grave. Je crois que je vais casser. Ok. Super. Donc voilà, de la gamme à 1€. Et ensuite, Allover Color Stick. Elle est magnifique. Je l'ai toujours voulu. Alors, c'est de couleur light beige. Voilà, light beige. Moi, j'ai une amie qui est en train de me parler. Alors, le Allover Color Stick est comme ceci. Alors, quand on ouvre, ah, il pue. Ah, ça pue. Alors, je vous montre, j'ai un peu tout ça. Hein. Alors, c'est pas beaucoup, c'est le. Voilà, alors le light beige, il est comme ceci. Là, il est juste là. Donc voilà, moi, c'est bien pour ma peau. Enfin, c'est un peu ma couleur, donc voilà. Ceux qui ont à peu près la même couleur que moi, ben, prenez-le, light beige. Je suis très très contente de ce produit parce que il est utilisable et il est très utilisable. Donc voilà. Vous savez, j'ai un point que j'ai pas oublié. C'est quoi déjà? Ah oui, donc la peau est faite comme ça. Voilà, bon, c'est clair, à peu près la même que la mienne. Donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, c'était tout. Alors, je vais remettre un peu tout à la rage. Alors, le Allover Color Stick, un pinceau de la gamme 1€ pour les fards à paupières, le crayon, je ne sais plus parler. Le pinceau tout doux pour appliquer le fond de teint ou les blushs ou les crèmes.
Le vernis, le fleur, un peu bleu. En fait, je pense qu'ils se sont trompés d'étiquette. Parce qu'en dessous, il y a écrit Mango Magnès. Voilà, en tout petit là, le plus long, il y a écrit Mango Magnès. Ah, ils se sont trompés. C'est le Cercasius. Ok. Donc voilà, il est comme ça. Ensuite, le mascara de la fonction de, pour les cils, pour les cils et pour le volume. Le rouge à lèvres qui est donc attendez, je me suis bourré là. Je me suis trompée, c'est le rouge à lèvres Cercasius. Je me bourre avec le vernis et le voilà. Voilà, mais c'est pas le Cercasius, c'est le. Je sais pas, il n'y a pas écrit. Donc, à mon avis, oui, c'est le Mango Magnet qui l'a. D'ailleurs, j'ai eu trop dur à avoir dit autre chose. Je vais voir sur la facture. J'ai juste écrit dernier en anglais, ça va. Mais non, je sais pas. Bon, c'est parti. Donc voilà. Après il y a des parler. Après il y a encore le phare en paupières qui s'appelle Tank Funk. Voilà. Et ah oui, le blush de la gamme Euro qui est de couleur Shay. S-H-Y, Shy, je sais pas. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Alors attendez. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez mis des commentaires. Coucou.